Bienvenue au Salon de Valoir, 18e édition. La parole est à Jacques Besse qui nous présente son salon. Voilà. Alors, tout d'abord, c'est la foire du tout-terrain. Il y a la partie salon où il y a environ 200 exposants. Bien sûr, l'entrée et les parkings sont gratuits. Et à côté de ça, il y a de nombreuses activités qui sont gratuites aussi, comme l'atelier de treuillage, l'atelier de désensablage, des animations pour les enfants, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, ils sont là avec leurs parents. Et à côté de ça, au niveau de la foire, bah, y a tout, les balades, les zones d'essai, bivouac, avec pilotes de l'organisation et véhicules de l'organisation, où les personnes viennent avec leur propre 4x4. Mais c'est toujours encadré. C'est la cinquième année que nous sommes partenaires de cet événement qui est l'événement majeur du tout-terrain en France. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter toute une gamme de nouveaux produits destinés au touring, à l'expédition, au camping et au voyage en 4x4 parce que c'est la grosse tendance du moment. On sent une énorme floraison de voyages. Donc nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet et présenté aujourd'hui des nouveautés importantes dans ce secteur, des nouveautés que nous vous invitons à découvrir sur le stand. À côté de ça, nous vous invitons à découvrir le reste de nos produits aussi parce que nous sommes quand même avant tout spécialisés dans la pièce technique et la pièce de rechange des 4x4 et n'oublions pas que nous vendons dans 150 pays au monde régulièrement et que nous avons 70 000 références au catalogue. Donc vraiment c'est, je crois dire, le one stop shop du 4x4 en France et en Europe. Et tu vis ta passion et jusqu'au bout. Oui, hein, oui, entre autres pour moi, oui, le 4x4 c'est un métier, mais c'est aussi avant tout une passion. Et dans le cadre de cette passion-là, nous avons commencé à faire de la course, de la compétition 4x4. Et nous courons avec un véhicule que nous avons emporté ici sur le salon, qui est un proto basé sur un Land Rover avec une mécanique de TD5, et sur lequel, avec Franck Dorel ici présent, qui est le premier Français à être montré sur un podium au Breslau. Nous avons fait, avec ce nouveau véhicule, 5 courses et 5 podiums en catégorie extrême. Nous sommes très contents de le présenter aujourd'hui à Valoir, comme nous sommes contents aussi de présenter des voyageurs au long cours, les Nomads Road, qui sont ici en face de nous. Oui, bonjour. Donc, c'est pour vous présenter un peu Équipe Addict. Équipe Addict est une nouvelle voie qu'on a établie pour une gamme bivouac. On a pris deux nouvelles tentes de toit. Une première tente de toit Équipe Trax qui se trouve là-dessus. C'est une tente de toit qu'on a un couchage de 2,40 m par 2,40 m pour une grande famille avec des matériels haut de gamme. Et ensuite, on a l'Équipe Max qui est une tente de toit souple avec des qualités de matériaux très très développées. Une grosse promo sur le salon de Valoir. N'hésitez pas à venir nous voir, on aura l'explication directe en live. Je vais vous présenter la nouvelle gamme des frigos Dométique qui démarre de 26 litres à 95 litres. Elles sont éventuellement connectables avec le Wi-Fi. Donc on peut les commander depuis le téléphone, on peut régler les températures, vérifier s'il y a une porte ouverte. Il y a une alarme sur le téléphone au cas où la température monte ou descende. Le premier modèle à 26 litres à 683 € prix salon, jusqu'à un modèle de 95 litres à 1270 € pour le salon, on offre la TVA. Du salon, c'est le complément de la gamme mode terrain Babe Goodrich avec la sortie de 5 dimensions pour SSV. Donc ce modèle-là, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une offre complète pour les 4x4 et pour les SSV dans cette sculpture mode terrain. En fonction de la taille des SSV, on a 5 types de dimensions en 14 et 15 pouces pour arriver à essayer d'avoir une offre la plus complète possible pour l'équipement de ces véhicules. Bienvenue sur le stand Transcat Équipement. Donc nous sommes importateurs de Peder Suspension.
donc qui est une marque australienne, hein, fabriquant depuis plus de 60 ans de suspensions. Et depuis une dizaine d'années, ils sont également tournés vers le freinage, ce qui était une logique à la continuité de la liaison au sol. Donc, cette année, en exclusivité, on présente deux nouveaux produits. Un kit conversion freinage pour convertir les freins à tambour vers des disques pour tout ce qui est pick-up. Le deuxième produit, c'est un kit conversion à l'avant pour monter un disque de frein plus gros, améliorer également les performances de freinage. Les nouvelles technologies sont arrivées chez Euro 4x4. Marc Lebel nous présente le produit Nano One à base de nanoparticules. Bonjour, c'est la première fois que nous sommes ici à Valoir et nous ne sommes pas avec n'importe qui, nous sommes avec Euro 4x4 qu'on connaît bien. Et effectivement, ils ont découvert cette technologie il y a quelques mois et ils ont décidé de la commercialiser. Nous avons fait ça au départ pour les militaires il y a à peu près une quinzaine d'années. Nous sommes allés ensuite en compétition automobile et aujourd'hui nous attaquons le marché du 4x4, le marché du véhicule d'aventure, des passionnés de mécanique qui dure longtemps parce que c'est vraiment quelque chose qui va multiplier par 3 ou 4 la durée de vie dans des bonnes conditions avec un bon fonctionnement de tout type de mécanique. Nous sommes actuellement sur la buvette. La buvette déportée de la brasserie Galibier qui se trouve à 300-400 mètres d'ici. Et donc ici on a différentes bières de la gamme classique mais également de la gamme éphémère qui vont changer un peu tous les jours. Donc voilà, on propose 4 bières différentes tous les jours. Alors bien sûr tout est fait sur place, le brassage, la filtration pour les bières qui sont filtrées, l'enfûtage et également l'embouteillage. On tourne à une cadence d'environ 2000 bouteilles par heure en 33 centilitres. Donc elles sont étiquetées, elles sont ensuite datées, on met un numéro de lot dessus. Ensuite on les lave, on les désoxygène, ensuite on les remplit sous pression. Elles sont ensuite dépressurisées pour être capsulées sur mousse avant d'être mises en carton. On retrouve Pascal Villard, patron de SOS 4x4, que tous les amateurs de Suzuki connaissent, qui nous présente sa société. Oui, bonjour. Donc, j'ai repris la société en janvier 2018 à la suite de Gilles, qui est parti à la retraite. Donc, on est présent sur le salon de Valoir cette année, avec toujours les mêmes pièces Suzuki, Santana, là, il y a de la pièce d'occasion, de la pièce neuve. La grande nouveauté cette année, c'est que je peux répondre à une demande des clients qui voulaient des sièges Suzuki. Ce sera des sièges restaurés, donc qui seront prochainement sur notre site SOS 4x4. Je vais vous présenter la peinture Raptor qui est sur le véhicule Dodge Ram qui est derrière, mais aussi en préparation, en application en ce moment, en live derrière dans la cabine gonflable. Le Raptor est un bedliner, c'est-à-dire une peinture qui est prévue pour être appliquée dans les bennes de pick-up, c'est-à-dire un produit qui est censé résister aux rayures, aux chocs, aux hydrocarbures, enfin à toutes les agressivités que peut recevoir une benne au quotidien. Le packaging est prévu spécifiquement pour faire une benne d'un double cab, c'est-à-dire avec 4 litres, vous faites l'équivalent d'une benne d'un double cab en complet. Et en nouveauté cette année, nous présentons en avant-première un aérosol Raptor qui est en deux composants, c'est-à-dire avec une membrane en dessous parce qu'il y a deux réservoirs. On percute la membrane en dessous pour associer le durcisseur et le Raptor. Et avec un aérosol de 400 ml, nous pourrons faire 0,7 m² qui n'existe que en noir. Parce que la plupart des applications sont en noir. Navigateur vous présente à Valoir le nouveau Fox 7, le GPS en format de tablette, durci et étanche, qui est adaptable à l'utilisation sur le 4x4, sur les motos, sur les quads et les SSV, parce qu'il est étanche et durci. Il a, comme tous nos navigateurs, deux navigations, une routière et une off-road. La possibilité de brancher une caméra de recul. Et à part de ça, comme tous les appareils qui sont en système d'exploitation Android, vous avez aussi la possibilité
d'y installer d'autres applications à besoin de l'utilisateur. On retrouve Sylvain Denis de chez Kipret qui nous présente un des produits phares destinés au pick-up. Donc la grande nouveauté de 2019, donc le canot pick-upper qui est à mi-chemin entre la cellule et le hardtop, modulable à l'infini, vous pouvez vraiment faire un peu comme vous voulez, vous pouvez aménager en tant qu'atelier ou en tant que camping-car, c'est ça, ouais, pour partir en voyage. Vous avez la tente de toit justement qui est intégrée à la cellule, mais sans avoir le poids vraiment d'une cellule indépendante de la benne du pick-up. Vous avez aussi sur le côté un kit douchet donc que vous repliez simplement sur la tente et c'est modulable à l'infini, c'est ça. Vous faites vraiment comme vous voulez. Bon ben voilà pour ceux qui connaissent Ashika et ceux qui ne connaissent pas encore Ashika. Donc on est importateur depuis 2006 sur le territoire français, donc on représente pas mal de marques emblématiques, notamment en exclusivité cette année, une toute nouvelle marque, je pense que beaucoup de monde connaissent, qui s'appelle Bilstein, qui est spécialisé un fabricant d'amortisseurs un ne peu plus connu maintenant dans le milieu de la compétition, beaucoup et surtout maintenant en 4x4, qui développe une belle gamme, qui vraiment tend à être connue sur le marché français. Donc c'est pour ça qu'on est présent cette année aussi à Valoir pour présenter toute la gamme, avec toutes les spécificités produits et pour vraiment une large gamme aussi de véhicules. Je vais laisser la parole à peut-être Andrea, donc qui est responsable Europe de la marque. D'accord, merci beaucoup Marion. Moi, de la marque Bilstein, je suis très heureux que Ashika est maintenant l'importateur officiel pour notre gamme 4x4 en France. Et je suis sûr que cette société est parfaitement préparée pour vendre nos produits. La gamme de rechange B6 pour les 4x4 avec des produits plus performants en gamme B8. On peut voir avec les réservoirs que c'est plus performant. Et l'offre, c'est pour votre amortisseur, pour votre suspension, pour la 4x4. De toute façon, on peut bien utiliser ça. Alors, on retrouve Stéphane Durlet, un des patrons de la société Vision X, qui nous présente ses nouveaux produits. Bonjour Didier, bienvenue chez Vision X. Donc ici on présente en avant-première cette année trois nouveaux types de barres. La barre chaser pour mettre à l'arrière du véhicule. On utilise beaucoup ça dans la course, dans tout ce qui est aussi l'ultra-fort, les courses de désert. L'avantage c'est qu'on a un feu stop, un feu de recul et les feux clignotants intégrés sur une même barre. Nouveauté, la Speed Sense Bar. Donc ici, la barre est couplée avec un GPS. Le GPS mesure la vitesse et en fonction de la vitesse, le faisceau s'adapte. Donc plus tu vas vite ou plus tu vas loin, tu réduis la vitesse et le faisceau s'élargit. La barre modulaire, c'est tout nouveau. C'est le premier échantillon qu'on a reçu en Europe. C'est un système où on peut accoupler des pods de 4 LED ensemble sur une barre. 6 ou 7 types de faisceaux différents. On peut mettre faisceau large, faisceau long, même de l'orange. On choisit la longueur de sa barre et on vient mettre tous les modules les uns après les autres.